Alors, l'association Corps à Cœur, c'est une association qu'on a mise en place dans le but de faire de la photographie, entre autres pour des patients soignés en oncologie et avec d'autres pathologies, pour leur apporter une aide supplémentaire, complémentaire. Tout cela est né dans le projet de Madame Tania Emery, qui a élaboré ce projet avec une jeune patiente oncologique et qui a fait tout un cheminement sur plusieurs années avec un résultat qui est très beau. Comment est-ce que je définirais la sociophotographie? C'est une forme d'accompagnement dans la maladie et dans la transformation des patients liés à leur pathologie. Est-ce que cette démarche apporte quelque chose du point de vue thérapeutique, quelque chose à nos patientes et patients oncologiques? Oui, bien sûr, je le pense, sinon nous n'aurions pas fondé cette association et fait ce projet. J'ai déjà deux patientes qui ont participé à ce projet, qui ont pu bénéficier de ce coaching photo, de cette sociophotographie dans le cadre de l'association et qui ont eu pour moi une excellente expérience, leur ont apporté un bénéfice qui est toujours difficile à mesurer, mais un accompagnement et quelque chose qui se mesure peut-être un peu plus tard, quand les patients peuvent réaliser les différents pas et le cheminement qui a été fait. Quel patient pourrait bénéficier de sociophotographie? Je pense la plupart des patients. Maintenant, les besoins sont différents pour chacun, mais une grande partie ont des transformations dans leur corps, dans leur façon de voir leur corps, et que